J'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Aujourd'hui, My IA de Snap va contrôler la journée pendant 24 heures. Ça va non être... Pas My IA. Pourquoi? Il fait grave peur, on sait même pas c'est qui, il connaît tout sur nous, il espionne les gens, c'est un faux ami. Tu es avec Yacine aussi. T'as eu les beaux gosses et les belles gosses, je sais qu'il y en a aussi. Moi personnellement, My IA, il me fait pas peur. Hein. On va commencer à parler à My IA, pour faire connaissance, on va lui mettre « Salut, veux-tu être mon ami ?» Normalement, c'est un robot, il peut pas être l'ami de quelqu'un, on est bien d'accord. Bien sûr, je serais ravi d'être ton ami. T'as vu, déjà, ça commence. On va lui demander qui es-tu, parce que ça, c'est grave bizarre. Il est tout le temps dans notre téléphone, on sait même pas c'est qui. Je suis ton ami virtuel qui vit à l'intérieur de Snapchat. Eh, c'est une dinguerie, vraiment, ça fait grave flipper. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous connaît bien? Tu vois, il est braqué une banque. T'imagines? Le basket! En vrai, on fait des 1 contre 1. Vas-y, toi, moi, Yacine, on fait ça? Vas-y, attends, laisse-moi lui répondre. Qu'est-ce qu'il répond? Oui, bien sûr. Let's go, on va commencer par du basket. Attends. Super, amuse-toi bien. N'oublie pas de m'envoyer des snaps. Comment ça, m'envoyer des snaps de ta partie de basket? Mais c'est un humain ou un robot? Raté, ils sont en train de faire leur meilleur 1v1. Vas-y, Miram, fais-lui montrer les skills que je t'ai appris. Oh, bien joué! Reprise de dribble. Elle y est pas, Myriam, t'as pas le droit. Allez, Myriam, défends bien. Il va rater. Oh, le gamin, à mon tour. Ok, d'accord. Let's go. Regardez comment on va l'éteindre. Pas trop. Attends, on va demander à Yacine si c'est dunké. Est-ce que tu sais dunké? Ça, si tu fais ça en match, c'est pire qu'un petit pont. Oh, presque. Pourquoi ça a pas marché? J'ai réussi à m'accrocher dans le panier, mais ça a pas marché. Pourquoi? Toi, tu sais jamais rien, toi. Hein. L'activité, elle nous a donné faim, mais on va demander à Mike Eye qu'est-ce qu'on va manger. Mais avant, on va faire une petite discussion avec lui. Bien on va lui demander s'il aime bien manger. Je sais pas s'il mange, lui. Attends, on va demander. C'est un robot, comment il veut manger? Que tu aimes manger. S'il aime manger ou pas quand même. Bien sûr, j'adore manger. Mais c'est un robot. Il m'a dit quel est ton plat préféré. Toi, c'est dis-lui, dis-lui pizza ton plat. Margherita. Vas-y, marque pizza Margherita. Pizza Margherita. Dis-lui et toi, dis-lui et toi. Et toi. Qu'est-ce qu'un robot? Mais c'est un robot ou un humain? Oh, je pense que moi je dépasse. Miam, j'adore la pizza Margherita aussi, mais en général, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. What? Oh. Il a dit il kiffe la cuisine asiatique. Donc, voir ce qu'il nous conseille de manger. Donc, tu nous conseille de manger quoi? Imagine, j'ai des sushis. Quoi? Point d'interrogation. On va voir ce qu'il nous conseille de manger. Imagine, j'ai des sushis, c'est sûr. Si tu cherches un bon restaurant asiatique, je te recommande le restaurant Hachi, Jeu Hachi. Ils ont une cuisine japonaise très savourée et des plats de qualité. Ok, bon, on doit manger asiatique ce midi. Elle a grave l'air. Pourquoi t'as pas mis des burgers là? C'est lui, ça, il aime les sushis, il a dit. Bon, là, j'emmène Myriam, on va aller manger chinois. Regardez mes nouvelles Air Force. Regardez ces nouvelles Air Force. Comment tu les as eues? Bah, en fait, t'as voulu me tester un jeu. Tu m'as dit si tu gagnes, et bah, t'as des Air Force. Et bah, j'ai gagné. J'ai perdu contre ce microbe et j'ai dû lui offrir des. Fallait pas me tester. Ah, vas-y. T'es parti, je te laisse entrer dedans. Ça va être un régal. Ça va être pas mal. Juste une boisson, en fait? Ouais, juste une boisson. C'est bon, t'as fait ta petite boisson? On a la commande, ça y est, et la dame elle a été trop gentille. Ouais. Elle a offert ça gratuit. Oh, il y a des petits beaux gosses. Ça va ou quoi, mon pote? Bien. Tu t'appelles comment? Ryan. Ryan. Bah, je suis content de te connaître, Ryan. Petit numéro 1. Alors, chez les Chinois, ils ont les nems, et chez les Arabes, on a les feuilles de briques. Vous voulez nous tester? Bon, on va voir si c'est plus beau. Alors, déjà les nems, ok, ça fait la même taille qu'une feuille de brique. Bismillah, ça a l'air trop bon. Fais voir l'intérieur quand tu dégustes. Je t'ai pris au goût poulet. Mmh. Alors, est-ce que les Arabes, ils ont du souci à se faire? Tu préfères les feuilles de briques ou les nems? En vrai, je te jure, c'est un peu le même goût que les feuilles de briques. Mais on veut une réponse, feuilles de briques ou nems? Je sais pas. Oh, t'as trahi tous les rebeux. Alors qu'au ramadan, t'as mangé des feuilles non, de briques? Non, en vrai, feuilles de briques, parce que les feuilles de briques, tu peux les faire au thon, c'est incroyable. Tu peux les faire mais ça, c'est grave bon, ça. Ouais, ça dépasse pas les feuilles de briques au thon, ça les dépasse pas. Article numéro 2, on a là, c'est vraiment du sérieux, on a des nuggets croustillantes. Au caramel. Par contre, la taille. Bah, c'est normal pour toi. Regardez-moi ça. Franchement, c'est incroyable, la famille. On attaque la masterclass, la famille. Moi, je t'ai obligé. Regardez le pot, comment il est blindé. Je vous explique ce qu'il y a dedans. Il y a des nouilles chinoises, je kiffe.
du poulet, il y a des concombres, il y a des haricots verts. Ça, les Chinois, quand ils mangent ça, ils sont tous musclés. Est-ce que toi, tu connais un Chinois gros? En vrai, ça existe, mais il n'y a pas beaucoup de Chinois. Ouais, gros. C'est 1% peut-être. 1%, regardez, on prend toutes les saveurs. T'es sérieux, là? T'as pris ça alors qu'il y avait grave bon? De quoi? Il y avait plus bon que ça. Mais t'es malade, ça, c'est trop, trop bon. Si, c'est dégueulasse. Elle a mis de la sauce curry, frère. Elle a mis de la sauce curry. Le bruit de ta bouche, on dirait une machine à laver. Mais c'est normal, dans mon corps, c'est une machine à laver, frère. Et avec les poivrons et tout, franchement, je kiffe. My IA, si tu m'entends, merci pour ce repas. J'avoue, c'est extra lourd. Là, vraiment, ça, c'est le dessert préféré des Chinois. Alors, c'est de la mangue avec... C'est pas préféré des Chinois, c'est que tous ceux qui vont en Thaïlande, ils prennent ce dessert et disent c'est incroyable. C'est de la mangue mélangée. Fais voir vite fait, on c'est leur pas montre. Jury. Non, je sais pas ce que c'est, la famille. Je crois que c'est de la noix de coco, de la mangue. Ouais. Et ça, t'as une sauce qui va avec. Donc, d'abord, on va goûter sans sauce. Ok. On va voir ça donne quoi. C'est ça a l'air incroyable. Ouais. Dis la vérité, se trouve, c'est pas bon. Ça a le goût d'un mélange un peu de noix de coco, de riz et de mangue. Mais ok, ça va, mais mets ça peut-être. Peut-être qu'il faut mettre ça. Sûr, je mets tout, sûr. Ouais. Pas tout, hein. Vas-y, stop. Je crois que c'est du lait. Alors, on va goûter. On va goûter d'abord sans les mangues. Peut-être franchement, bon. je suis vraiment... Je sais pas si c'est bon ou pas. Depuis le temps que je vois les gens goûter... Avec la sauce, ça fait la diff. Ouais, mais par contre, les mangues, ça va pas du tout avec, donc j'aime pas trop. Rien, elle a dit qu'elle aime pas, ça s'appelle délice de mangue. Moi, je prends toutes les saveurs. C'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Je vous dis la vérité. Bismillah. Mais c'est ultra bon, mais toi, t'as un palais de chien. T'aimes bien les croquettes, mais c'est un goût de noix de coco, de mangue, et il y a le riz tout à la fin. Question pour vous, répondez dans les commentaires. Je vous rappelle, on a les nouilles, les nuggets, CNM. Le dessert, la canette gratuite, combien ça m'a fait tout ça? On va voir si vous êtes chaud. Toi, Myriam, tu dis combien? Moi, je dis en vrai à peu près 18 euros. T'as faux. Dites dans les commentaires. Et ceux qui ont bon, vous êtes vraiment des extraterrestres. Depuis le début de la vidéo, MyIA, il me fait peur. On dirait une espionne. On va s'assurer que MyIA, c'est un robot même pour vous chez vous. Parce qu'on sait vraiment pas qui est derrière l'écran et ça fait peur. On va lui demander déjà, est-ce que tu peut-être peux nous voir? C'est Voldemort. Hein. Est-ce que tu peux nous voir? Attends, tu me dis après la réponse. Tu montes d'abord à la caméra. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dire? What? Il m'a donné un big message en anglais. Eh, c'est grave bizarre. On lui demande de faire un FaceTime. En mode, on fait un FaceTime, on va se voir en vidéo. On fait un FaceTime. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il va me dire? Oh! Je ne peux pas faire FaceTime car je suis une intelligence artificielle. Mais je suis toujours là pour discuter avec toi sur Snap. Tu veux m'envoyer un Snap? Dis-lui qu'il t'envoie un message vocal. Ah ouais, envoie un vocal. Je veux pas l'écouter. Envoie un vocal. J'ai mis envoie une vocale. Désolé, je ne peux pas envoyer de vocale. Je suis un chatbox textuel et je ne peux communiquer qu'avec du texte. Ouais, c'est ça, ouais, espèce de menteur. On va lui demander qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi comme activité quand même. Tu peux pas lui régler son compte en faisant de la bagarre là. On fait quoi cet après-midi? On fait quoi cet après-midi? Je vais passer l'après-midi avec vous. Si le temps est agréable, vous pouvez aller faire une promenade dans un parc ou une randonnée. Ouais, comme ça, tu viens nous kidnapper. Nous chercher une activité plus créative pour essayer de peindre ou de dessiner. Viens, on va au magasin, on achète des trucs et on fait celui qui fait la meilleure peinture. Vas-y. Vous êtes chaud? Ce rayon, il me rappelle trop quand j'étais à l'école en art plastique, on devait faire la liste des fournitures. Toujours, on venait ici. T'as vu, toujours ma on mère. On cherchait des trucs bizarres. Maman a payé 100 euros. Ouais, je m'en rappelle, avec l'aide de l'État. Vas-y, prends des trucs de peinture. On va s'affronter, on va voir qui a été le meilleur à l'école. Donc ça, pinceau. Ouais, pinceau. Un petit pour Myriam, un moyen pour moi et un grand pour moi. Un grand pour moi, prends de la peinture clair. Aussi. C'est quoi la peinture, c'est ça? Ouais, prends ça. Comme ça, il y a toutes les couleurs. Je pense. Non, les tubes, ah c'est. Ouais, de la gouache. Regardez. Vous préférez quoi, vous? La gouache. La gouache? Moi, je préfère l'autre. Hein. Je préfère la... En vrai, la gouache, c'est vrai, t'as raison. La gouache. On a trouvé aussi du papier à dessiner. Ça me rappelle grave mon enfance. Mais ça, on dit la vérité, l'art plastique, ça sert à... dans ma vie, ça m'a servi vraiment à rien, l'art plastique. Ouais, ça m'a servi à rien. On est parti pour l'activité de MyIA. Donc, Myriam va devoir dessiner quelque chose et moi, je vais devoir deviner. Eh, hey, Yas, donc... je me croirais dans Hogwarts Legacy. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, moi, je vais bouger. Elle va dessiner et je reviens après dès qu'elle a fini son dessin. Yassine. Vas-y, tu t'es préparé un coin. Tu peux y aller. Okay. Je t'ai mis juste à côté des palmiers, comme ça, t'es super bien. Myriam, elle est à gauche. Donc, tu disposes de pinceaux, d'une toile, et là, t'as plein de choses. Tu vas devoir dessiner un truc que Myriam va devoir deviner, ok? Mais okay. Stop. Mais dégage-toi! Mais c'est pas équitable, regarde tout ce qu'il a! Hey, les grands artistes, ils ont besoin d'avoir des trucs, toi, tu sais pas dessiner, ça sert à rien. Donne-moi des trucs. Myriam, bouge de là. Bouge. Je peux pas prendre juste ça. Allez, bouge maintenant, bouge, sale voleuse. Moi, je vous expliquais, je suis en train de coucher de soleil. Ah ok, toi tu spoiles directement. Regardez comment c'est grave beau, attendez, je prends du jaune. Ok, Yassine, t'en es où? J'ai compris, j'ai presque terminé, hein. Ça ressemble en vrai de vrai. What? Est-ce que tu vois ce que c'est?
Alors, je vous explique. Avant de me juger, je vous explique. J'ai fait tomber de la peinture au milieu de mon dessin. Du coup, j'ai essayé de rattraper. Donc, c'est pas ce que j'ai fait exactement. Yacine et Myriam, ils sont vraiment super nuls en dessin. Et je suis choqué. Je suis grave déçu. Ok, Myriam, alors, déjà, laisse les abonnés voir le dessin. Là, on a le dessin de Myriam. Tu peux le montrer à Yacine. Franchement, il est beau. Hein. Ouais. Non, je rigole. C'est. Qu'est-ce que c'est, Yacine? La ratatouille. Arrête, je vais même pas avec toi. Non, vraiment, tu penses c'est quoi? Arrête de me tâcher là! Moi aussi, je me suis tâché. C'est quoi qu'il faut deviner? Je comprends pas. Qui veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du pipi. Non, c'est pas du pipi, n'importe quoi. Comment qu'il passe l'aspirateur? Regardez, Myriam qui fout le bordel comme d'habitude ici, il y a plein de petits trucs par terre. Et maman, elle passe aspirateur. Moi, mon dessin, il est terminé. Et normalement, chez vous, vous avez tous la réponse. La journée a été fatigante. On va envoyer un vocal à Maïa pour savoir ce qu'on mange ce soir. Je parle. Salut, Maïa. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu nous conseilles quelque chose? Attendez. Ouais, il est en train d'écrire. Oups, je ne suis pas encore en mesure de bien comprendre ça. Ah, du coup, pas de vocal. Il comprend pas les vocales encore. Envoyez-lui une vidéo de vous deux en mode message vidéo pour voir. Non. Okay. Pourquoi? N'aie pas peur. Non, pas moi. Mais t'es avec Yacine, t'inquiète, il va rien t'arriver. Salut, Maïa, c'est Yacine, je suis avec Myriam. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit. Oh, le chien! Il a dit quoi? C'est important de prendre soin de ses dents, assure-toi de bien brosser les dents, deux fois par jour pour un sourire éclatant. Oh, le gamin, Maïa, il est méchant. Mais lui, il est fou à créer comme ça, il a cru. Tu veux qu'on mange quoi ce soir, à ton avis, Myriam? Peut-être qu'il t'écoute. Je lui dis, on mange quoi ce soir? M'énerve, je vais claquer ça contre l'écran là. Je ne peux pas te dire ce que je mange ce soir, mais si tu cherches une suggestion de repas, tu pourrais essayer de faire un plat de pâtes ou de riz avec une sauce maison. Tu pourrais également faire une salade ou des légumes grillés pour accompagner le plat principal. Let's go, vas-y, on va faire ça. Une recette de pâtes façon Younes. Je pourrais pas la faire chez vous, je suis désolé, je la sais que pour ma famille. Mais je vous la partage parce que je suis gentil. Donc là, on a déjà cuit les pâtes. Vous les faites cuire à l'eau. Ensuite, vous mettez à la poêle comme ça. On a mis des champignons parce que Maïa, il a dit qu'il fallait des légumes. Une fois que tout est mis à l'intérieur, on commence à mettre un peu le feu. Ça fait bizarre de dire ça. Le feu est mis, on vient rajouter de la bonne crème. Ça, la crème, mon pote, il doit en avoir dans tous les plats. Du poulet, ça va être incroyable. Emmental français, pas emmental martien. Martien, oula, je sais pas quoi. On n'a rien contre les martiens, hein. D'ailleurs, grosse éducation aux martiens, non? Abonnez-vous. Hey, c'est quoi? Regarde, c'est ça, c'est Maïa, on obéit à Maïa. Regarde ça, Maïa. Recette de pâtes. Ça, c'est incroyable. Hein. Ça, c'est mieux qu'un grec, c'est mieux que tout ce que vous voulez. On va tester, on va voir ce que ça donne. Hein. Myriam, tu vas tester ça. Ça passe, ça passe. Si c'est pas bon, je te donne ça. Ouais. Tu lui donnes quoi? Quoi couper? Ah, oh, vas-y, arrêtez avec ça. Là, c'est 50 bon. Euros. Si tu dis la vérité. Oui. Vas-y, goûte. Et après, tu goûtes et vas-y. Vas-y, dis bismillah et goûte. 50 euros si c'est pas bon. Mais des pâtes avec du fromage, comment tu veux que ce soit pas bon? Oh là là, attendez, regardez. Fais montrer un peu les oh bails. Oh là 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 là, mais comment tu veux que ça ce soit pas bon? Ah, c'est pas bon, tu vas voir. Bismillah. Il y a des femmes qui savent pas faire ça, c'est la honte sur vous, les femmes qui savent pas faire ça vraiment. Dis la vérité. C'est bon. Elle est en train de tabasser le plat de pâtes. Hein. Je vais goûter vite fait. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta cuillère? Bah, je me prends une cuillère pour moi, frère. Mais c'est un malade. Elle m'a dit t'as droit qu'à une cuillère, elle a pas dit quelle cuillère. Oh le malade. Prête ta fourchette vite fait. Il a vidé toute l'assiette. Elle est belle. Mais non, mais abuse pas. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder le like, à vous abonner. Et à ne pas lui parler. Nous, on va vous laisser là. Ciao.